الاخيره وش داروا عليه. يعني كلام قاسح ممكن، ولكن نتمنى ان شاء الله يجاوب مثل اللاعبين مهدي مثل جبور لكاينين. انا ما نبخلش، انا شوف انا قلت نجيب احسن لاعبين اللي موجودين في اي مكان جزائري يكون جزائري ويحب الوطن ويحب الروح الوطنيه. شادي العامري مثلا، هذا هو المقياس تاعي. شوف اللي يحب والديه يحب هو باغي، لان واحد موش باغي ما نجيبش. انا ديسكوتي في فيستيار باسكو انا ريستي لونتون انديفيديوالمون افيك بوكو. Même si certains, je ne cache pas, il y a certains bien sûr qui se cherchent des excuses, mais on le comprend, parce qu'ils ne sont pas en forme, ils sont pas. Mais moi j'ai dit non, ne vous inquiétez pas. Ça, ce n'est qu'un match amical. Vous ne culpabilisez pas. C'est, je vous attends dans 2 mois et demi. Très important pour les joueurs, ce qu'il dit. Parce que on veut, il y a certains bien sûr qui ont l'habitude d'être toujours les meilleurs, ils sont pas bons actuellement. Il faut expliquer aux gens qu'un joueur de football ne peut pas être excellent. Il y avait d'abord un ratage de Razel en première mi-temps. Je dirais même plus. On va regarder l'image. Voilà, Razel qui arrive à passer. Il va repiquer au centre et sur sa frappe il aurait peut-être pu obtenir un corner, mais c'est comme ça, c'est un joueur qui aime le contact physique, il aime aller au duel. Vous voyez un commentaire avec moi, la Bersaldane, il y avait je crois un appel de balle de Ziani, de l'homme. Déjà son arrivée dans cette équipe est une arrivée réussie, il se sent bien. Dans le jeu, on va voir ce qu'a fait Lahsen dans ce match, notamment cette frappe, il prend sa chance. C'est un joueur qui prend ses responsabilités, notamment à Santander, c'est un club mal loti hein, dans le championnat, deuxième partie du championnat. C'est un joueur qu'on appelle à raison le Doberman, c'est vous dire l'abattage, c'est un joueur qui a beaucoup de volonté. Et moi personnellement, c'est ce que j'ai ressenti hein, chez ce joueur. Il a une technicité irréprochable et c'est un joueur qui fait l'essuie-glace au milieu de terrain. Et qui est certainement, moi je vous dis, donc il est titulaire sur tous les matchs de Santander. Et actuellement, je peux vous dire qu'il est en méforme. Parce qu'il y a une surcharge de travail qui est tombée, parce qu'ils ont joué sur, je pense, sur quelques semaines, 8 matchs de coupe où ils ont perdu aucun match. Mais maintenant, ils sont en baisse et ils ont perdu le dernier match. Et c'est pour vous dire que moi je l'ai vu sur les derniers matchs. Je l'ai suivi, j'ai eu la chance de le voir. Et il n'est pas bien actuellement. Par contre, là, il était juste... bon, il a fait un travail professionnel, mais il n'est pas à son meilleur niveau. Autre chose également, là il faut situer aussi bien pour l'équipe de Serbie que pour nous-mêmes l'état du terrain qui a gêné beaucoup pitoyable hier le terrain. Je vous dis bon, sans aller plus loin, il a gêné d'ailleurs l'équipe serbe lors de la réunion technique a posé des réserves, mais on ne peut pas changer une pelouse donc avant un match. Et c'est pour vous dire que pour faire du spectacle, pour faire du bon jeu entre deux équipes, la qualité de la pelouse est importante. Et ça, c'est pour vous dire, c'est pas possible pour dire que, surtout pour un gars qui a l'habitude de jouer dans des pelouses, notamment en Espagne, qui sont de qualité. Des tapis. Des tapis ou en Angleterre et tout, c'est indispensable pour que notre football évolue. Moi, je parle d'une façon générale, pas simplement pour le 5 juillet, partout. Je pense que la réforme, elle va rentrer pas simplement sur le plan technique, elle doit rentrer également dans l'état de maintenance. C'est anecdotique, mais à prime, on jouait sur une meilleure pelouse à Colera. Oui, oui, oui. Super. On était même sur le plan physique, on a poussé pour marquer, pour aller de l'avant, pour essayer de marquer. Les joueurs ont été poussés par le public. Deuxième mi-temps, il y a eu une baisse, parce que là aussi le public n'a pas joué malheureusement, il n'a pas poussé, bon, à certains moments, notamment avant le deuxième but, donc, parce que là, le public, dans le moment difficile, lorsque l'équipe physiquement flanche, c'est là qu'il faut la pousser et donner pour qu'elle réagisse. Pour que le mental, justement, prenne le... Parce que là physiquement, on n'était pas en forme pour 50% d'équipe, disons, n'était pas en forme physiquement. Il faut les pousser pour se surpasser, pour qu'on réagisse. Deuxième chose, l'équipe de Serbie, là on revient, parce que là on est dans l'analyse des enseignements. Dans ce match-là, la Serbie n'a pas participé à la Coupe d'Afrique. Tout à fait. Ouais. Donc ils sont venus, ça fait longtemps, donc ils ont terminé le 18 novembre. Et en plus, avec l'ensemble de leur effectif, ils ont fait rentrer eux. Donc on a permis dans la réunion technique de faire autant de remplacements. Changement qu'on voulait. Moi je ne voulais pas faire beaucoup de changements, j'ai dit je ferai 2.
deux ou trois. Votre premier c'était... changement, c'était à l'heure de jeu. Voilà. Donc, je voulais faire Amri et Djibour, poste par poste, donc pour soit à droite, soit à gauche pour Amri, et attaquant de pointe pour Rafik Djibour. Bon, malheureusement, je vous ai dit, l'équipe serbe, par contre, a mis des joueurs donc, qui sont sur le banc du même niveau. Et qui ont porté dès la mi-temps, on a fait des changements et ça fait la différence. C'est Amri qui était malade aussi. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Donc Amri a 42 fiers. Donc, les joueurs qui sont allés dans leur club, ils jouent pas. Vous voulez ou pas? Parce qu'ils ont peur de perdre leur place en équipe nationale. Alors que c'est l'effet un peu, comme vous dites, vous revenez à un club, vous n'êtes plus, ça joue. Une semaine, deux semaines, quatre semaines, ça pèse. Ça pèse, et là, nous, c'est pour ça que moi, on a essayé, dans le peu de temps qu'on avait, de dire, bon, ne vous cassez pas la tête, la forme va revenir, vous allez reprendre vos places, mais même dans le cas où vous n'avez pas vos places, vous avez participé à tous les matchs de qualification, on compte sur vous, mais il faut travailler pour être en forme à la fin de saison seulement. Coach, vous allez les prendre combien de temps? La plus grande période où vous allez les prendre tous ensemble, ce sera quelle date? Donc à partir, disons, le groupe, parce que le dernier championnat qui se termine, c'est celui d'Italie, d'Espagne et de France, il se termine le 14-15 mai. Ouais. Voilà. Donc nous, normalement, c'est prévu pour le 20 mai. Bon, on peut éventuellement changer, donc, parce qu'il y a des joueurs qui terminent le 8 mai. Plus longtemps en tout cas. Hein. Un joueur dans notre championnat qui manie bien le ballon, ça me rappelle Lionel Messi, c'est Djabou, le Harash, qui est dans cette équipe, qui a joué face au Liechtenstein. C'est un talent pur. Et comme l'a dit son entraîneur Boualem Sharaf, qui ne demande qu'à travailler un peu plus pour sortir du lot. On le connaît. Donc. Non, je vous ai dit, écoutez, en résumé, sans citer de nom, il y a des talents en Algérie, comme partout, et beaucoup de talents, parce qu'il y a une jeunesse extra. Ce qui manque, malheureusement, donc c'est le travail dans les clubs. La rigueur professionnelle. Aussi bien dans leur cycle de formation, c'est-à-dire lorsqu'ils sont jeunes, ça c'est important, où on occulte tout. C'est-à-dire la discipline, le travail technique. Le respect de l'arbitre. Non, je vous ai dit la discipline, ça, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Parce qu'il y a parce qu'ici en Algérie, on fait ce qu'on veut. On ne respecte pas les dates FIFA, les règles FIFA. Et c'est pour cela que là, pour parler de Chaouchi, nous, on l'a. J'avais compris. Ça, parce qu'on ne peut pas se permettre en Coupe d'Afrique, Coupe du Monde, de faire n'importe quoi. C'est un ambassadeur de l'équipe d'Algérie. On ne peut pas faire des trucs qui vont donner une mauvaise image. Je pense qu'on a sanctionné, mais on lui laisse la porte ouverte. Parce qu'il pouvait, il faisait ce qu'il voulait ici en Algérie, et c'est malheureux, et c'est pas le seul. Il y a pas mal de joueurs qui se prennent pour... Et là, on doit accéder à notre... Et là, c'est ça, c'est le problème. Il peut revenir, la porte reste ouverte. Il y a une discipline. Ça reste, je vous dis, il ne peut pas nous mettre en danger, notamment dans les compétitions internationales de haut niveau. Les gens, parce que là, nous, les Algériens, on est très sensibles, on aime tout de suite rapidement pardonner, mais après, on le regrettera s'il se passe un incident malheureux en Coupe du Monde qui va salir l'image de notre équipe nationale. Et nous avons la responsabilité. Mais je dis que ce jeune a beaucoup d'avenir, c'est l'un de nos meilleurs gardiens sur le plan technique, mais dans la mentalité et la discipline. Il faut qu'il évolue. Voilà. On va parler, puisque ce week-end.